ça a mieux marché comme ça. Nickel. Yo, on se retrouve pour la suite de ce Let's Play sur Kingdom Hearts Chain of Memories. Que dire de plus? On a bientôt fini. On va pouvoir passer au... à 358/2D, si oui, juste des cinématiques. Et au 2, enfin, un vrai jeu Kingdom Hearts. Donc voilà. On va essayer de... pas de finir aujourd'hui, mais au moins d'aller le plus loin possible aujourd'hui. Et là, on est sur la fin, quasiment. Donc ça va. Good riddance to that blabbermouth. Marluxia, you used Vexen to test Sora's strength, didn't you? Not just Sora's, it was yours too. We weren't sure if you actually had it in your bones to take out a fellow member. Well, I guess that you did. It's time to join up. Taking over the organization would be like child's play with the three of us. So that's where Sora comes in. Of course. He wants to see Naminé, so why don't we just give him what he wants? Rejoice, Naminé. The time is near for you to meet the hero that you've been longing for. I'm glad. But I'm warning you. You better not do anything to betray Sora's feelings. Do you understand me, little one? I understand. All you need to do is layer Sora's memories and bring his heart closer to you. Sora. Even if you come for me, what then? Yo, Axel, comment ça va? Oh, Riku! You'll hurt Naminé if you go further. You still want to fight? But Vexen's gone, so now you're free. It doesn't matter what happens to him. I'm protecting Naminé from you. That's what's in my heart. Sora, I made a promise to Naminé. I promised to keep her safe. You did? There was a meteor shower. This one night when she and I were little. Naminé got scared and said, "What if a shooting star hits the islands?" So I told her. T'as démonté ton PC portable. If a shooting star comes this way, I will protect you. You made a promise with a toy sword. What? How do you know about that? Because that was the promise I made to her that night. I would protect her. I said it. Don't lie. C'est-à-dire comme bonne nouvelle, vas-y, raconte. You're the one who wasn't there. That was when she gave her good luck charm to me. Her what? See? Tell me. Where did you get that? Sora. Good try. Huh? That must be a fake. I've got the real one right here. Well, two of them? Fake should be destroyed. Ça y est, encore devoir se battre contre l'autre taré là. C'est quand la dernière fois que t'as... Est-ce que t'as déjà ouvert ton PC portable déjà? Parce que bon, si tu l'as jamais ouvert, c'est un petit peu normal quand même. Ouh, comme toi. Yeah.
thunder! Ah donc tu l'as quand même déjà ouvert autre temps. Donc là c'est vraiment la tentative de sauvetage du désespoir que t'es en train de nous faire. Pourquoi il soigne pas ce con Donald? Écoute, faudra tester, hein. Mais bon, tu y échapperas pas à terme, faudra changer de PC. Hein. Mais bon, si déjà ça peut te faire gagner du temps, c'est déjà pas mal. Ouais, je sais, mais bon, tôt ou tard, faudra que tu passes sur un PC fixe, ce sera beaucoup plus simple. Après, ce qui est chiant avec le PC fixe, c'est que l'investissement de base, il est conséquent. Après, pour upgrader ton PC, ça va, c'est... Enfin, après, ça dépend de tes goûts. Si t'aimes bien avoir tous les trucs qui coûtent super cher, genre comme un mec qui est en train de streamer là maintenant, ça va toujours te coûter cher, mais bon. Voilà, quoi. Mais faut que t'essayes de trouver un boulot cet été, là. Léo, apparemment, il a trouvé un boulot déjà maintenant. Je sais pas comment il a fait, d'ailleurs, pour trouver un boulot là, tout de suite maintenant. Mais... Surtout que... il est encore mineur, Léo. Il a quel âge? 16, 17? 17, je crois. Je sais pas comment il a fait pour trouver un boulot, mais... It's just like mine. How did he get this? Et encore une carte. It turned into a cord. Alors attends, du coup, ton PC portable, là, tu le branches à une télé ou un autre écran pour avoir un truc plus grand quand tu roules, ou tu roules carrément sur le PC portable? Let's just keep moving, okay? It doesn't matter. It does matter. How can two of you have the same memory? You can't both be right. I'm wrong. Fine, then don't believe me. Okay, donc tu le branches sur ton écran. That's not what he meant. C'est déjà pas mal. We're just kinda worried. Then let's ask Naminé. That should clear it up. C'est quoi comme écran? We don't have time to sit around, so let's go. Sora, what happened to you? What's that mean? Well, you always get real touchy when it comes to stuff about Naminé. But before we came to this castle, you didn't even remember what her name was. Now Naminé's the only thing you talk about. It doesn't make sense. Léo, il joue avec l'écran du PC. Ah ouais, c'est un malade.
with you guys? Do you want me to abandon her? No, that's not it. Then do whatever you want. You can lay back and take a nap for all I care. I'm going to find Naminé. Ça, c'est la force de la détermination. En vrai, quand t'es déterminé et passionné à faire un truc, y a rien qui peut t'arrêter. Mais le jour où il va jouer sur un vrai PC, ça va lui changer la vie. Déjà sur un vrai écran, surtout. You're all that he's got left. So then, if you don't stop this, no one will. But I... It's too late. You shouldn't give up just yet. Mais je sais pas, je crois qu'il tape dans une espèce d'épicerie, un truc comme ça. Là. Je sais pas combien ça va lui ramener, mais bon, voilà. Si ça peut lui permettre d'acheter un PC fixe, ça sera bien, tu vois. Mettre un peu de côté aussi au cas où. Ça marche à toutes, accès à toutes. Just make it count. Now this should be interesting. Try and make it enjoyable, Sora. It's the least you can do for me, you know. Hey, wait. I'm enjoying this. You guys are something else. Sora, that was no way to... Keep it to yourself! Il est fâché, le Sora. Ah, là, il colère. Et du destin. Oh les copains. Qui sont-ils en train de parler? Ah, carrément, il leur dit de se barrer comme ça, putain. Quel sale gosse. Carrément, il les envoie chier comme ça. Ouais, Sora, il a d'autres business à faire. Parle pas avec ses potes, Sora, il a pas le temps. Faut pas le laisser, faut pas l'embêter comme ça. Oh putain, il y a du HP là. Fire. Heal.
Ça va être un petit peu plus long que prévu en fait. Ok, ça c'est fait. Voilà, sans avec une seule porte possible. Minimum 1 ou 0. On va mettre ou l'ésotérique. On va falloir fermer un peu ici, il n'y a pas trop le choix. Pour pouvoir choper d'autres cartes pour ouvrir les autres portes. Ça, ça sert un peu à rien. Oh, ça va être super relou. Il y a la masse de mobs. La masse de HP. L'autre, il fait que d'en invoquer encore plus, là. Toi, je vais te faire taire ta trompette, là. Ouais. Reste tranquille, gamin, reste tranquille. Vous allez me saouler de ouf en fait. Voilà, restez là. Oh là là, pire système de combat du monde. Ouh. Il faudra faire des changements de deck hein, parce que là ça va pas. Alors. Putain, l'enfer. Oh,
Ok. Ah, une clé du réconfort, tiens. Ouais, vu comment je me suis fait chier, c'est pas du luxe. Augmenter. Là. 6-0. Ouais, super. Alors, ça va être le farmage, hein. C'est parti. Parce que je suis obligé, hein. Si ça tenait qu'à moi, j'esquiverais tous les mobs là. Et là, directement à la fin. Mais quelque chose me dit que ça sera pas plus mal si je me mets à farmer maintenant. Parce que vu comment j'ai galéré pour Riku juste avant, hein. Sachant que je sais plus ou moins ce qui m'attend pour les prochains boss, et que ça va pas me plaire. Ok. Ah, toujours pas 6. Il me faut 6 ou 0. Oh, une clé Keyblade. Chaîne Royale 9, bien. Ça, bien. Toujours pas marche. Toujours pas compris comment il marche, putain, de Zantetsuken là. Petite flamme. Encore un 2. Où est-ce qu'il y a encore des monstres? Où est-ce que vous êtes, les méchants monstres? Salle 1, putain, t'aurais pas pu mettre un 0 quoi. On va continuer à chercher les cartes. Oui, c'est les cartes. Pourquoi il a disparu celui-là? Reviens là, mon pote. Qu'est-ce que j'aime pas faire ça?
Ouais, toi tu vas me donner une 6. Ouais, toi, je t'en chaud pour me donner une carte 6, toi. Le stock boomerang, c'est violent en fait. C'est bien, ça va permettre de bien clean les salles. Faire ça tout de suite à chaque fois en fait. Stock boomerang, bam. Tiens, brasier dans ta tronche. Nickel, vas-y, 0. Ah, oh, ça c'est bon ça. Voilà, excellent, excellent. Tu vois, il suffit d'être poli avec le jeu, il suffit de demander. Rien de Jésus, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un, il faut juste le respecter, il faut lui parler correctement. Il donne ce que t'as envie. Ah, par contre, lieu vaillant, tiens, si je dois mettre taper des meubles là-dedans, on va être bien. Ça, lieu vaillant, ça veut dire qu'ils sont bien énervés. Ah, c'est celle-là. Alors, une carte qui vaut 2. Ça, j'ai. Et une carte qui vaut 8. Ah, super. Bon, c'est reparti pour du farmage. Ouais, il est parti. Qui t'a demandé de partir? Ah, petite carte. Glacier 3. Bon. Ok. Alors, on va tout de suite faire le stock boomerang. Ouh, c'est bon ça. Non, mon cloud il est un peu loin à chaque fois. Ah ok. Ah ok. Ah non, c'est ça la salle vaillante, c'est que les cartes des mobs elles sont de niveau plus élevé. Oh, tu vas te calmer hein. Je dois refarmer jusqu'à ce que je trouve une 8 ou un joker. Ça marche aussi le joker. Merde. Ah, c'était pas tout ça qu'il fallait faire. Ah, tant pis. Mettre en contre. Ouais, ça passe. Alors, il est où mon cloud? Putain, et en plus, comme un bouffon, j'ai mis dans la première combinaison de cartes. On va faire avec. Enfin, on va faire ça plutôt. Ah non, il est là le cloud. Nice. Ah super. Yes. Alors... Bon. On devra improviser jusqu'à la fin. Toi, tu vas arrêter de chanter, toi. Voilà. Reste à ta place. Wow, tout ce... Ah non, si, ça va, ça a la one-shot quand même. J'aime bien dire tout ça pour...
Ok. Oh, c'est quoi comme carte, ça? Ça me dit rien. Domaine perplexe. Bien, je suis perplexe. À mon tour. Alors, on va blinder les HP. Ouais, ça va être le gros de mer pour trouver une carte 8. Ça, je sens. Est-ce que ça m'a remis cloud là? Ah, les super plantes! Rien des casse-couilles, les plantes là. Merde. Oh, mais stop là. Oh, trompette de merde. Voilà, ça va te calmer ça. Vas-y, ça va te calmer. Ça, ça fait rien. Voilà. Oh, c'est quoi ça? Bonus extra. Ah ben, on va prendre une carte 9. Voilà. Ferric. Ah non, ça te le transforme en extra. Ok. Bon, je pensais que ça donnait une autre carte. Tout de suite les trompettes là. Ah, y a encore une autre trompette. La patience qu'il faut dans ce jeu pour sortir la bonne carte, c'est quand même fou. Qu'est-ce qu'il fait? T'as cru que c'était des hélicoptères ici ou quoi? Fou lui. Je vais te calmer tout de suite par contre. Oh, c'est un joker ça. Oui, bien, excellent. Allez hop, le joker, la clé d'ouverture. C'est pas le même Riku, je crois. Oh. Hmm.
Vas-y, Sora, tu es le héros, sauve-les tous. Alors, la clé conseillère, ça c'est bon. On va ramener dans la pièce inconnue. Alors avant de retaper de nouveau des mobs, on va essayer déjà de trouver ce qu'il nous faut, ce dont on a besoin. Alors, cette porte-là... Oula. On se fait avoir par surprise. Ah ouais. Gros fail. Peut-être me soigner un coup. Qu'est-ce qui m'a sorti lui plutôt? Rien du tout. Ah génial. On va aller coup de faire une carte. Hein. Ah salut Kitty. Et bah, travaille bien du coup. De mettre en lurk, comme on dit en bon anglais du Québec. Ok. Domaine perplexe de nouveau. Minimum 1 ou 0. Pièce où tout est possible. On va essayer. Je sais pas ce que ça donne, mais... Ah, ça donne une zone protégée. Bon. Oh putain, les plantes. C'est vraiment les pires mobs, les plantes, là. Allez, foutez-moi la paix un peu, là. Mmh.
Mais trouve-moi des cartes là, plutôt, au lieu de me trouver des orbes de vie. J'en ai pas besoin des orbes de vie, rends-moi des cartes. Pourquoi il me trouve que des orbes de vie? D'habitude, il me retrouve des cartes. Un os! Mes frères! Oh là là. Ouais, c'est pour revenir à chaque fois et me trouver de la merde. Je vais plus t'invoquer, moi. Encore un os! Yes. Merci plutôt le S. On peut vraiment compter sur toi. Ouais, c'est fini, c'est bon. Même pas, putain. Ouf, c'était long. Lieu vaillant. Augmenter les CP. Il y a des trucs là-dedans. Nothing. Mais c'est quoi toutes les cartes de bouffe qu'il y a là à chaque fois, ces putains de plantes là? Voilà, casse-toi. 7. Ouais, c'est bien ça. Oh, sérieux. Vous trouvez pas que j'ai déjà assez à faire avec tous vos trucs là? C'est pas les plantes, c'est les trompettes. Putain de trompettes. Ouais, elles sont déjà moins chiantes que les plantes. Alors, ça va. Pire jeu de Triton. Ouais, il m'en a sorti un autre maintenant. Et ça y est, de nouveau Pluto qui sert à rien. Encore me sortir des os alors qu'on est en train de se battre là. Je crois qu'on peut se battre avec un os, hein? Plutôt sérieusement. Réfléchis un peu à ce que tu fais quand même. Coffre. Oh putain, il est là-bas, sérieux. Oh putain, des plantes partout, super. Comme je suis trop heureux. Thunder!
Domaine perplexe 8. Ouais, c'est bien ça. Ça va aider à ouvrir des portes. Alors, qu'avons-nous dans ce coffre? Est-ce qu'on s'est fait chier pour quelque chose ou pas? Jugement. Pff, je vais jamais m'en servir. On s'est fait chier pour rien. Alors, elle est où la porte? Elle est à la porte. 3 ou 0. On va éviter les lieux abyssales. Minimum 3. Qu'est-ce que j'ai en minimum 3? Bah, il n'y a que le lieu abyssal en fait. Alors, 4 ou 0. On va mettre la zone protégée. C'est bien parce qu'à chaque fois, il n'y a qu'une seule porte, donc il n'y a pas 36 000 solutions. Par contre, ils en ont mis 20 000. Ah non, c'est la clé du réconfort. Putain, j'ai eu peur. Ah, c'est bon. 5 ou 0. On va mettre bah ça, hein, lieu perplexe. Avec un peu de chance, il va nous mettre une salle de réconfort, hein, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Ah bah non, il nous a mis un local trompeur. Avec 3 coffres. Donc 1, 2, on retire la carte, ça on verra après. Si j'ai besoin ou pas. 50! Oh là là! Ça va encore être le fermage. Et c'est parti pour du fermage, il faut 25. Oh putain. Soin, super. Ah, faut que je mette de l'autre côté. Il faut pour 25 de cartes. Oh non, sérieux. J'avais fini, il n'y avait plus personne. C'est pas comme si je m'en servais beaucoup. Ok. Ah, 8. Ça fait qu'il manque 25 moins 8, ça fait 17. Oh, allez, super. Ça ne touche personne. Fire.
j'ai improvisé un truc là. On est stock brasier, stock feu. Oh. La quillon, il marche une fois sur 1000 là. Quand ça le prend, il touche d'autres mobs. Quand ça le prend pas, bah, il le fait pas. Non, arrête de vouloir soigner tout le monde, petite trompette. Commence déjà par vouloir te sauver toi. Au lieu de... Au moins l'avantage c'est qu'ici, les niveaux montent vachement vite. Même si je m'en passerai bien. Ok, donc on vient d'avoir 8. Là on a 6, ça fait 14. On va blinder de cartes le déclin, ça va être blindé. On a 14, il nous manque. On a 14, pardon. Les plantes, mes amis, les plantes, vous me saoulez fort. Voilà. Ok, plus qu'une. Voilà. 14, 15, putain. Faites des efforts là, donnez-moi des cartes avec des gros chiffres. Ah, il ne manque plus que 10, c'est déjà pas mal. Ok. On y arrive. Alors, hein, grâce à ça, je vais pouvoir passer facilement les derniers boss, juste parce que j'aurais passé mon temps à chercher des... Ah, plus que deux à trouver. Et après, on sera bon. Il y a un moins que j'ai la poisse et que je me tape 3 cartes 0, ça devrait le faire, mais bon. Sur un petit estoc brasier. Wow, c'est bien ça. Yeah.
On va profiter pour se soigner. Voilà. On va recharger les cartes. Oula. Allez, domaine 2, et c'est la 2, et c'est 5, c'est encore mieux, super. Allez, on se casse, même, chérie. Aujourd'hui, on se whiskasse. Alors, 5. Ouais, je vais pas chercher à faire des calculs. Hein. Voilà. The island. Ah, tiens, notre poteau. L'annonciateur de la fin du monde. Il est toujours là, mais quand il y a des problèmes. Au moins, il finit à son poste. Ah, bien sûr, on va se le taper. Va encore être un combat chiant. On va faire avec, hein. Lance ta carte. Je sais pas trop si ça va m'aider, ça, mais... Ok. Ah si, tu peux taper la tête. Intelligent, monsieur le développeur. Intelligent. Hop là, le petit breakage de cartes. On recharge, on pioche. Comme dans Yu-Gi-Oh, je pioche. Hop là. Il n'y a pas le temps de bouger. Ah, sur des boss comme ça, c'est facile, la mécanique des cartes, parce qu'ils ont des mouvements super lents, donc ça va plutôt bien. En plus, ces actions durent super longtemps. Tu peux vraiment prendre tout ton temps pour le break. Hop là. Et encore un niveau de gagné. J'ai gagné je sais pas combien de niveaux là depuis avant. On va
blinder les HP, on va blinder, on va blinder, on va blinder. Okay. I have to keep her safe. Naminé, can you hear me? Oh. Naminé. Sora, you really came for me. It's you. It's really you. I've been through so much just to see you. Yes. I wanted to see you too. But this isn't right. It must stop. I wanted to see you. But this isn't the right way. Naminé? I was lonely for so long. I just couldn't bear it anymore. So I called out to your heart and had you come all the way out to this place. You came for me and I'm so, so happy, but to your heart I had to. Don't worry. I'm here because I promised that I would protect you. Sora. Thank you. And I'm sorry. Oh. I'm not supposed to be in this picture. Oh. Quelle audace. Naminé? That isn't me. I'm not there. I don't really exist inside your heart. I don't exist in anyone's heart. I never have existed anywhere. What? What are you saying? What's gotten into you? Weren't we inseparable? Always together? But then you had to go away. I came here so I'd never lose you again. Was it really me you wanted to see? Of course it was. I know I've forgotten a lot of things in this castle, but never anything about you. Look, you gave this to me, didn't you? You have it. My good luck charm. No, Sora, you can't believe me. What am I supposed to do? Bah ouais. Think just one more time about who's most special to you. J'avoue, elle a des sacrés pieds aux yeux. Piece of memory that glimmers faintly deep inside your heart. No matter how far away the light gets, your heart's voice will always reach it. Who's most special to me? That's an easy one. It's you, Namé. Oh. Eh oui, mon poteau. Eh oui, mon poteau. Allez, hop. Oh, tendre promesse. Yes. On va aller ouvrir la dernière salle. Repos du conquérant. Déjà fini ? Excellent. I like. Tu vas l'attraper, ce putain de rebord, oui ? Voilà. Hop. On fait la sauvegarde. Combien de niveaux là ? 5 niveaux, putain, bien. Hein. Allez hop. On est avant Gangang, comme on dit, on est avant Gangang. Naminé ! It isn't you. The person most special to me, it's not you, right? No. The girl you really care about. The one who was always with you. It's not me. It's her. But then, who is she? Because I can't think of her name. If she's so special to me, then why can't I remember? Because I went into your memories and... Let me explain this. Huh? Plain and simple. Your memory is a train wreck.
You're not the one who's meant to protect Naminé. It's supposed to be me. Putain, mais on... Faudrait que je compte le nombre de fois où on se bat contre ce bouffon là. Mais il insiste beaucoup, je trouve. Ah oh, putain, en plus il va devenir chiant. Ce jeu de la fuite, sérieux. Oh, truc de bâtard. Oh, il va me casser les couilles. Oh. Attends. Est-ce qu'il va m'en mettre juste un... Ah ouais, ouais, ok. On va changer le jeu, là. Alors que j'ai 575 là, on passe à des choses un peu plus sérieuses. Ou pas, hein. Parce que je vais me faire plier, je le sais, mais bon. Hop. Tout ce qui est neuf, on le met là. Neuf. Aussi là. J'ai une 7. 7. J'ai une 8. Et 6. Mettre la 4 là. Mettre des petites cartes aussi. La 4 là, c'est à mettre les 0, une 0 là, une autre 0 là, je crois que j'en ai une troisième, oui, une autre 0 là, ok, ensuite on va mettre le feu, on va mettre la foudre, on va mettre les soins, ah j'en ai 3 maintenant, ouais, on va mettre les 3. On va mettre les potions aussi. C'est méga potion. Méga potion. Attention, ça rigole plus. Méga potion. Je te cloud. Ça va être super chiant. Get ready! Vanish!
Mais calme-toi donc, espèce de fou psychopathe, va. Putain, c'est pas vrai ça. Oui, oui, oui. C'est même pas le boss de fin, et je sais déjà que le boss de fin il va me saouler aussi là. Oui, 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 oui. Saloperie de Riku, saloperie de jeu de cartes. Oh, mais ça aussi, c'est chiant, ça. Ça va, tu me fais pas déjà assez mal, tu veux pas non plus... Il est super relou. Putain, merde. Reste tranquille un peu là. Avec ta coupe au bol là. Enfin, c'est même pas une coupe au bol. J'avais juste envie de m'énerver sur lui. C'est ce que je veux. C'est une coupe au bol, voilà. Il se fait étourdir tout le temps. Wow, bâtard. Nickel. Wow, l'os. Ah, super, me laisser un plan. Pff, ce système de merde.
ce système de merde. Oh. Mais pourquoi il s'arrête à 1, ce bouffon ? Vas-y, allume-toi, t'as raison. Oh. J'aurais pas pu faire ça avant, quoi. La carte de Riku, ça veut dire qu'on n'aura plus jamais besoin de le battre? Incroyable. Riku. Want some more? Looks like I win. Riku! Stop! You are through! I said stop! Ooh. Allez hop. Au dodo. Riku? Riku! Riku! What did you do? What did you do to him? Broke his heart. I'd say more like she smashed it, really. Smashed? His heart? Then, what's gonna happen to Riku? Oh, you're so much fun to watch. If it's Riku you're worried about, then don't. Because Riku was never really here. What do you mean? Ooh, le plot twist. I'm just gonna say it? That's too easy. Oh, what to do? Quit the games!
All right. Have it your way, then. I know it'll kill you to hear this, but I think I can live with that. That thing lying there is just a puppet that Vexen made as an experiment. No more than a toy. It's laughable, really. It called you a fake, but it was a fabrication all along. Not Riku. A fake? Eh oui, c'était la faux. In every possible way. It was only finished recently. How could it remember anything? You get it? Its memories with Naminé were just planted, not real. Comment elle l'a acheté comme un vieux drap. Been picking fights with you over memories that were counterfeit, trumped up, and completely bogus. Isn't that the truth, Naminé? Oh, so cute. But behind this little face, you do awful things. Naminé? You're so stupid. Don't you get it now? That's what Naminé's powers are about. She can enter, rearrange, and even create new memories of anything, even things that never happened. The girl you've been trying to protect all this time is really a manipulative witch who shackles people's hearts. Comment c'est pas bien? My memories are all... Oh, you do get it. Lies, lies, all lies. Just Naminé's illusions, nothing more. Binding you in the chains of your own memory was central to our trap. It makes me tingle to think how easily you were duped. So close to it, we were almost there. This was our only chance to turn the Keyblade Master into our puppet, but that jerk Axel. He used Naminé to betray us. Les gens, moi je suis Axel, donc c'est Axel qui t'a trahi, c'est moi que tu vas le gommer. Ah super, merci beaucoup. Don't. Huh? It's a little late for the witch to grow a conscience. Last time I checked, you're the one who fooled around with his memories, creating this mess. I know, but. I should tell you that I'm in an extremely foul mood. Thanks to you, all our plans are ruined! Naminé! What's this? Are you upset? And you don't actually know her. Maybe not. But still, I made a promise. What? A promise I made to Naminé to keep her safe. Maybe my memories are fake, but the promise is real to me. That's why I'll keep it. Ça c'est de la bravoure, ça. Ça c'est beau, ça. Such an idiot. There is no promise, and there never was. You're just delusional. Must you insist on playing the hero? Whatever. If that's the way you want it, you're going down alone! Oh, dingo le S. Donald le S. Incroyable. Donald, Goofy, you found me. Of course we did. We were worried about you. And we promised. We promised that we would protect you. You won't ever be alone. It's always been the three of us, and we stick together. We stick together. It's going to stay. Okay. Have it your way. More pain for you means more fun for me. Et c'est reparti pour de la bagarre. J'espère qu'ils m'ont soigné entre temps. Ah, ça va. This is it.
Ah, c'est un Tetsuken de mort là. Ouais. Elle fait moins mal que Riku, mais elle est tout aussi chiante. Hein. C'est qu'elle a des cartes zéro. Pas de la foudre, espèce de sombre con. Tu vas me dire, j'ai déjà plus de cartes là? Décise la sauce. Je suis mort en fait là. Ouais, ça va. La confusion par contre. Faut choisir. Soit on fait des cartes, soit on fait de la confusion, mais on fait pas les deux en fait. Parti pour un combat qui casse couille. Bon. Mais non, mais pas la foudre! Oh putain, mais il est trop con ce truc! Forcément, dès que j'avais plus ma carte 0, c'est tombé quoi. Putain, hein. Un peu de chance avec la RNG s'il vous plaît, là, je veux pas y passer 4 heures de plus. Je pense que j'ai acheté de souffert avec ce putain de jeu de cartes là.
Calmez tout de suite ma petite, moi je te le dis. Oui oui, va escape autre part là. Non, putain, stop. Bien écrit coup, c'est qu'il a pas de carte zéro donc il peut pas contrer. Il a trop, dès qu'il en a besoin d'une, il en sort une. Putain, ça lui redonne la masse en fait. Oh, tu me casses les couilles. Reste tranquille un peu, hein. Je vais t'exciter partout. Il va me sortir en foudre. Ouh, voilà. Bah non, non, il est con. Super. Reste tranquille. Un peu, hein. Voilà. Voilà. Allez, casse-toi! Mais putain! Elle spam beaucoup trop! Y'a pas de temps, là, là! Quel jeu de merde! Mais quel jeu de merde! Que
Qu'est-ce que je suis censé faire, moi, hein? Je suis censé faire quoi avec cette... You have no heart! Espèce de con. Casse les couilles! Oh, ta gueule. Ta gueule. Oh, super. Un maigre tout seul. Mais pourquoi elle a toujours... Oh, c'est d'un chien. Mais reste un peu tranquille. Non, mais pas la foudre, mais espèce de connard de merde. Putain, j'en ai marre de... Il sert à rien. Ah, sors-moi un compte. Ah, encore un autre, je te dis rien. Ah ouais, il va me sortir à... Putain... Elle a déjà plus de cartes, super. Mais hop. Oh là là, mais c'est pas vrai. Mais quel jeu pourra. Pire jeu. Pire jeu. C'est mort, j'ai plus à cette carte. Oh, impossible ça. On va la jouer débile, hein. Ça va prendre encore une demi-heure, mais bon. Vu qu'il n'y a que les trucs de con qui marchent dans ce jeu, bon, bah, je vais comme un con, et puis c'est tout. Putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est tiltant? C'est de la merde. De la merde. Putain, je suis en facile! C'est chiant comme ça, quoi. Jamais de la vie, je vais faire un difficile sur ces morts. Jamais. Voilà. On va jouer comme ça. C'est super. C'est super fun. Oh putain, je suis trop con aussi. Ah
Non, mais lui met pas la foudre, putain, c'est pas vrai. Oh, super. Deck de 7 km en fait. C'est ça qu'il faut. Putain. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bête quoi. Qu'est-ce que c'est bête quoi. Et pourquoi j'ai fait foudre ? Ah bah merci. Pour une fois qu'elle rend service. Vanish!
C'est même pas drôle en fait. C'est pas drôle. C'est la mort du fun, c'est juste la mort du fun. Et pourtant l'histoire elle est bien, l'histoire elle est importante, mais c'est la mort du fun. C'est le suicide du fun ce jeu. C'est... On peut dire ça comme ça. Non, je vais même pas m'en servir. C'était déception sur déception. J'ai pas le choix. Voilà, un bon brasier. Et voilà, voilà. Il lui a enlevé des HP pour lui remettre. Parce que c'est pas bien d'enlever des trucs aux gens, alors Donald il fait quoi? Il les remet parce que c'est un bon gars, Donald. Putain. Canard de merde. Non, mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Chaque fois qu'il y a besoin d'un contre, je me fais avoir. Voilà, super. Moi, je lui redonne des HP parce que c'est pas déjà assez difficile comme ça. Je vais le virer, la foudre, là. Je sais pas pourquoi je le garde. Casser les couilles. On va mettre un brasier à la place. Voilà. Très bien.
No escape! Lightning! No escape! You have no heart! Oh. Et bien c'est reparti, on recommence encore et encore jusqu'à ce que la RNG soit clémente. Quel enfer, mais quel enfer, putain. Ça y est. Dingo le MVP. Enfin, Dingo Tornade, c'est complètement craqué en fait. Ça fait la masse de dégâts. Ah, niveau plus, j'espère bien. Tu as perdu. Tu es morte. Si, si, si.
Si, 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 si. You must be Nominee. It's good to meet you. We're friends of Sora's, and my name is... You're Goofy, and you're Donald. Comment tu sais? Congratulations, Sora! You finally found your friend! I'm so happy for you! Gee, there sure are a lot of questions. Nominee, I know this probably won't be easy for you, but could you tell us what happened? Of course. It's my fault after all. I took the people and memories that were inside Sora's heart. And little by little, I replaced them with false memories. Hey, what about Sora's promise? Made up. It was fake. Sora never really promised me anything. Me being with him on the islands. That was a lie. Just like everything else. Ooh, le mensonge, c'est pas une jeune fille. I was never Sora's friend. And you were never anything more. Either. No. You see, in all of your true memories, I was never really there. Gee, then that must mean it was your magic that made the rest of us lose our memories too. Is there any way for us to ever get them back? I can fix everything. If we go to the 13th floor. But where Lucia, he... Bet I know who that is. Was he the fella who made you tamper with all of our memories? Ah, bien sûr. If I didn't obey, he said I'd be locked in this castle forever. I've been alone for so long. So you did what he told you to do because you were lonely? I'm so sorry. Don't be. Please don't cry. Oh, of course. I know I really don't have the right to. That's not what I meant. What? It's like this. I'm really not happy about you messing with my memories. But, you know, I can't really get mad at you for it either. These memories you gave me. In my head, I know they're lies. But they still feel right. Like the promise I made. I said I would protect you and that I wouldn't make you cry. Not ever. Nominee, if you cry now, I'll feel guilty, like I let you down. So don't cry. Please. Until I get my memories back, smile and try to be happy. It's easier on me that way. Sora. Oh, brother, that's a bit much. Oh, ce rabat-joie. Like this every time he's around a girl. Aw, cut it out. I thought you both lost your memories, too. Too bad. Good friends don't predict the good stuff. Come on. There. That's it. That's the Nominee I remember. Yeah. I really liked it when you used to smile. Of course, that was really only in my fake memories. But what I'm feeling now definitely isn't fake. It's real. Thank you. Well then, let's go. Let's go. I can't wait to get my memory back. Nominee? Marluxia is gonna be up there, so maybe you'd better stay down here. Yeah, maybe you could look after Riku? We'll come get you when it's over. Okay. Regarde le marché fier comme un coq, alors qu'il sait pas quel enfer et l'attend derrière cette porte-là. Please be careful, Sora. I'll be okay. I promise. Souvenir perdu.
hall de sortie. Sauvegarde. Ouais, en dessous des 10 heures de jeu n'empêche. Bon. Je sais pas si je vais le passer ce soir, lui, mais... On va voir. On va voir, on va voir. Who was it? Who's most important to me? Nothing. Can't you remember? No, I only remember Naminé. Come on, do you guys remember anything at all? Sorry, Shola. But I just can't remember. I don't want to be. But I'm getting scared. Then, we should really make a promise. Ça y est, Sorek dit. Sors son idée là maintenant, là. Bon, juste avant de se faire massacrer, venez, on se promet un truc. Whenever you make a promise that's super duper big, maybe it gives you the courage to face the scary stuff. Courage? Yeah, let's do it. And when if we get scared, or in trouble, or even if we get separated. Or even if we sort of forget each other. Whatever happens, we're friends. Ça, c'est beau, ça. All for one, and one for all. Allez, on va taper l'autre, là. Trinité. Ah, bien. La clé d'ouverture. Pourquoi j'ai besoin d'une clé d'ouverture? On n'est pas dans un... Ah, si. Castle Oblivion. Alors. Bon, je pense que ça va aussi être du tout droit. Ouh, des gigs. Ouais, il fallait qu'il vise lui. Zantetsuke ne sert absolument rien. Allez. C'est la carte la plus cassée du jeu. Ouais. Une fois qu'il touche, c'est le plus cassé, le Donald. Le dingo, pardon. Ah, vous allez vous calmer là tous. Wow. C'est quel genre de sauce ça? Voilà. Toutes mes cartes, super. Pas être de tout repos. On va monter les HP à fond là, tant pis pour les CP.
Alors, minimum 1-0. Qu'est-ce qui va nous sortir? Sale tirage! Ah, bien! Bien, bien, bien. On va la farmer un peu, la salle, là. On va pas faire de mal. Qui se porte avec son bouclier, celui-là. Eh, mais ils vont m'en sortir combien? Ça va s'arrêter, ou non? Nettoie-moi ça. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ah, casse-toi avec ton vieux bouclier, là! Qu'est-ce qu'ils sont relous? Tirage. Ok. Enfin, je crois que je vais pas m'éterniser ici non plus. Oh, super, merci. Si j'ai besoin de quelque chose, je vous rappelle pas. Ouais, super. Ok. Ah, là, je peux tirer. Qu'est-ce que je prends? Ça. Qui a un haut niveau, ça peut toujours servir. Surtout que je sens que la porte-là va me demander des trucs chiants. Ah, non, même pas.
Vas-y, tire-moi les cartes. Ouh, ça va, c'est pas mal. On va prendre un pack multi direct. Clochette niveau 8. Ah, bien. Pas mal, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut là ? 6 minimum au 0. Ah bah voilà, je suis bien fait de prendre ça du coup. Oh ! Qui est-ce donc ? Eh bien, on ne saura pas. Alors, on va juste regarder déjà ce qu'il faut pour ouvrir la porte. 9 ou 0. Ah putain, qu'il y en a plus, on a encore. On va tester la Trinité. Ouh, c'est bien ça. Et je me souviens déjà plus ce qu'il faut. Je crois que c'est 9 ou 0. 9 ou 0 ? Ouais, 9 ou 0. On va attendre une carte de dingo, hein, ça va aller plus vite. Si ça one shot tout le monde, on va en profiter. Voilà. Une 0. Soit je retourne dans la carte tirage, soit j'utilise ma chance. Et j'essaie de choper une 0 parce qu'une 9 c'est quand même rare. J'ai plus souvent des 0 que des 9. C'est l'heure de la Trinité. En vrai, c'est un super moyen de farmer ce truc là. Sachant qu'en plus, les cartes Donald et Dingo faut que tomber dans cette partie là du jeu. Encore une 6. De toute façon, on va pas avoir le choix. On va retourner à la salle de tirage. Yeah.
Voilà. Une 9, putain, bien. Pas mal. La petite 9. Comme toi. Putain, il est relou ce truc. Quand même aller voir ce qu'il y a dans le coffre avant de partir. Ah, c'est un local trompeur. Ah oui. Ah bah j'ai eu du premier coup. Carte valence 0. Ouais, il nous faut une 0 ou un joker. La carte de Dingo. Voilà, hop. Ah, ça c'est un 3. Intelligent ça. Ouais. Ah.
Oh putain, quand il y en a plus, on a encore. Ah, c'est. Oh! Non! D'avoir une carte d'indo là, histoire qu'on en finisse. Ah, ils ont des cartes super élevées, les gigles. Calmez les potes. Hein. Wouah, vas-y, tu me casses les couilles là. Ah, mais stop. Mais quel enfer. Donnez-moi dingo, bordel. Mais... Ah. C'est relou de ouf. Putain, ce jeu, quand il décide de te casser les couilles, il te casse les couilles jusqu'au bout, putain. Oh, et plutôt qu'il sert à rien. Ça sert à rien. Pire jeu du monde, redonne-moi des cartes, vous me donner des os, putain. Oh là! Ça a quelque chose un peu, merde. Ah, j'avais oublié ce détail. Voilà, il y a un subiton bouclier, il faut faire tout le tour du type. Qu'est-ce que c'est chiant, putain. Il va falloir que je me tape tout ça. Peut-être retourner dans la salle de tirage, ce sera plus simple. C'est quasiment sûr qu'une zéro, il y en aura. Sale tirage. Oh, oui. Super. Allez, voilà. Faire ça tout de suite. Donald, Dingo, hop, on enchaîne, c'est parti. Je sais qu'il va pas me break. On va juste attendre de mourir et puis c'est tout. Alors une 0, il n'y a pas de 0. Il n'y a pas de 0. On va reprendre une tirage.
Ah, qui pensait qu'il y aurait des zéros. Je me suis fait hurler. Tirage. Zéro. Yes. Toujours avoir une carte tirage, une salle de tirage ouverte, ça vous aidera si jamais vous décidez un jour de faire le jeu. Si ce let's play ne vous a pas découragé, démerdez-vous toujours pour avoir une salle de tirage, ça vous sauvera de bien des déboires. Deux portes. Voilà. On va ouvrir celle que je peux ouvrir. Oh, super. Quand il veut pas arrêter de spawn. Ok. Du paisible 0. Bien. 1-0. On va refaire une salle de tirage. Sacré labyrinthe, hein. Ah, ça y est. On arrive. Eh ben non, c'était pas là qu'il fallait aller. C'était l'autre porte. Un ou zéro. Ah, ça s'arrête plus, hein. Les salles s'enchaînent. 2-0. Il faut quoi? 1-0. Tiens, un espace sécurisant. Ça va permettre de sauvegarder. Il
Uka aussi, il se passe des trucs. Minimum 2... Putain, et... C'est bon, on va y arriver à la salle du boss un jour, ou comment ça se passe, ça? Et t'es temps? Some nerve to show your treasonous face around here. Some nerve indeed. Treasonous? I don't know what you could possibly be talking about. Why let Naminé go? If it weren't for your needless meddling, we could have turned the Keyblade Master to come and serve us. Oh, right, your big plan. You use Naminé to rewrite Sora's memory piece by little piece. And he turns into her total puppet. Then, using Naminé and Sora together, you and Larxene overthrow the organization. Am I right? I would say that you are the traitor, Marluxia. Since when were you suspicious of us? Do either one of us have the heart to believe anyone? So you only eliminated Vexen to obtain proof of our plan. That I didn't want to do, but it was your order. Ça chauffe. Oh. Remember the order. You must eliminate the traitor. I always follow orders, Marluxia. Ah, ça va se friter fort par ici. Oh putain, elle était rapide là. Et HP jusqu'au bout. Je veux le maximum de HP pour la fin du jeu. Glacier 2, super. Tout ça pour rien. 5 ou 0. C'est interminable. Vas-y, on voit les cartes. Pas mal. Sept ou zéro. Voilà, forcément, elle est arrivée à un moment où c'est compliqué parce qu'il n'y a plus la carte. Il faut soit un 7 soit un 0. Je vais voir ce qu'on trouve dans la salle là. Ah, 6, dommage. Dommage, dommage, dommage. Putain, mais stop boomerang là, il est bien, il est bien. Yeah.
Voilà. Allez, un 7. 5. 5, c'est pas 7, mec. Je sais pas si on t'a appris à compter, jeu vidéo, mais c'est pas... C'est pas ça que j'ai demandé, en fait. C'est quoi, la coche? Ah, ok. Ah non, ça tue quand même pas tout le monde. Ah dommage. Allez, fais ton travail. Un petit peu de monde qui squatte là quand même. Hein. Ah ça y est. Ça va commencer à être chiant. J'ai vu beaucoup de cartes. Allez, trouve-moi les cartes, là. Voilà, c'est ça qu'il faut. Encore un chouï. Ouais, un œuf, super, un œuf, c'est trop bien. Ça y est, ça va commencer à être chiant. Ça a pas de sens en fait de rendre ce genre de combat chiant comme ça. C'est un joker ? Non, c'est pas un joker, c'est une salle des mobs. Oh. Bonne étoile 4.
vieux molasson. Putain, il fallait 7. Ouais, il va retourner dans la salle de tirage. Hein. Moi, ça fait vachement long, hein. Ça fait quelques dizaines de minutes que j'ai trinité, je pense que c'est déjà la capacité que j'ai le plus utilisée. 7, parfait. Alors. Ça va jamais s'arrêter en fait. Hein. C'est que traverser des salles encore, encore et encore. 8 ou 0. J'ai pas ça. Encore? Oh non. Ah mais c'est un lieu brutal aussi. Hein. Je sais pas si j'ai le bon lieu pour être tranquille. Oh mais il y a la masse là. J'aurais pas utilisé ma carte de Donald. Pas la dingue frappe. Ça va nous être méga, c'est super chiant. Bien arrivé à la salle avant le boss, avant de couper. Pourquoi? Putain, j'avais un 7 et un 4, ça fait 11. Qu'est-ce qui break ça? Qu'est-ce que c'est? Ce jeu est d'un ennui.
On se fait juste chier en fait. Ah, on doit faire ça jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Geek, il faut que je tue en premier là. Crever maintenant là. Vas-y. Vas-y, je vais me faire crever. Putain. Quel enfer! Mais pourquoi ce jeu est aussi relou? C'est une merde pas possible, putain. Qui est-ce qui a eu l'idée de mettre des putains de cartes dans un jeu d'action? Merde. Qui a eu cette idée? Quel est le fils de pute qui a eu cette idée? Mais non, mais pas sur lui. Oh, c'est chiant. Allez, dégagez de là. Mais qu'est-ce qui... Mais non, mais pourquoi? C'est ultra chiant. Je sais même plus combien il me faut. Une 8. Ouais, 8. Ça. Il y a la carte de nomme, je l'ai vu. Mais arrête de courir! Mais stop! Pire jeu de tous les temps.
3, donnez-moi 8. 8, on a 18, donc donnez-moi 8. Oh là là, impossible de le toucher, en plus il court super vite, c'est trop bas là. Arrêtez de fuir, arrêtez de vous cacher. C'est vous qui venez m'agresser, après vous vous cachez, c'est quoi ça? Vous êtes quel genre de tapette en fait? Putain. Non, pas là, pas là, pas là. Oh super. Solution de facilité. Et c'est parti pour l'enfer numéro 2. Ah, c'est full gig. Ok. Toujours pas. Une 8, allez, sois cool. Ouais, non, pas cool. Ah super, merci Nago. Merci beaucoup. Ouais, il a touché personne. Ouais, excellent. Excellent. Putain, mais quel jeu de merde.
qu'on peut prendre du plaisir à jouer à ce jeu, honnêtement. Allez, putain, crevez là, vous faites chier, bordel. Infâme, infâme. Voilà. Un Joker, oui. Allez, dis-moi que c'est la dernière salle là, quand même. On en a traversé au moins 10. Carte bleue valant 1 que je n'ai pas, que j'ai. Une carte rouge valant 3 que je n'ai pas, que j'ai. Il faut pour 99 de cartes, sérieux. C'est parti, on va farmer, écoute. Pas trop le choix. Ah, c'est un local apaisant ici. Ouais, super. Mais j'ai plus de cartes là. Bah non. Là, on va faire demi-tour. Oh. Ah, ce qui serait parfait, c'est d'avoir un Joker. Un Joker, et je suis tranquille. Non, c'est pas un Joker. Zéro. Ah, super, ça va bien m'aider, ça. Encore, mais putain, tout à l'heure il m'en fallait plein de zéros, j'en avais pas, et maintenant que j'en ai pas besoin, j'en ai deux à la suite. Putain, mais stop, sérieux. J'ai l'impression que ça fait 3h07 que je me plains. Parce que j'aimerais bien ouvrir cette putain de porte avant de m'arrêter là, j'ai pas envie de faire ça la prochaine fois, si déjà je suis dedans.
2. Super. On est dans une salle tirage. On va se faire chier. C'est une zone protégée. Un espace sécurisant. Alors, on va sauvegarder là au cas où. Oh, allez, poussez-vous. Que je vais plutôt m'arrêter là. Je vais continuer la prochaine fois parce que c'est en train de me prendre le chou là. Toutes les guilles qui me courent après comme des zombies. Il y avait une carte d'honneur juste derrière. Ah, bah j'ai une deuxième carte d'honneur. Ah, incroyable. Ça au prochain épisode parce que là ça commence à sérieusement à me courir sur le haricot. On va s'arrêter là et puis je vous dis de toute façon au prochain épisode et puis voilà allez ciao.